Chers téléspectateurs, bonjour et Ramadan Mubarak et bienvenue à cette nouvelle émission Hewar que nous consacrons à l'une des filières les plus dynamiques de l'agriculture marocaine, à savoir le secteur sucrier. Une filière qui est parvenue durant ces dernières années à enregistrer des performances qui lui permettent aujourd'hui non seulement de répondre aux besoins du marché local, mais également de se forger une place à l'international. Aujourd'hui, dans un contexte marqué par la pandémie qui dure depuis des mois, force est de se demander comment le secteur est parvenu à résister à cette crise sanitaire. Quel est aujourd'hui l'impact direct de la crise sur les secteurs, mais aussi comment Cozumar est parvenu à s'adapter à ce nouveau contexte et à relever les défis qui se présente aujourd'hui, mais aussi de savoir quelles sont les prévisions de l'année 2021. Autant de questions qu'aujourd'hui nous allons poser au président directeur général du groupe Cozumar, M. Mohamed Fikret. M. Fikret, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, soyez les bienvenus. Ramadan Mubarak Karim. Alina à vous et à tous les... Les Marocains. À tous les Marocaines et Marocains. Et Marocains, Inch'Allah. Donc, pour revenir à la pandémie qui a pris en otage toute l'économie mondiale depuis plus d'un an et demi et qui n'a épargné bien sûr aucun secteur, on voudrait savoir un peu dans quelle mesure a-t-elle impacté le secteur sucrier marocain. Alors, la pandémie, comme vous venez de le dire, a touché tous les secteurs et au niveau aussi international. Pour le cas de Cozumar, ça a été pour nous aussi un test de notre modèle et surtout une épreuve pour notre résilience en tant que modèle. Alors, alhamdoulilah, avec la mobilisation de nos équipes en interne, les collaboratrices et les collaborateurs, nous avons pu assurer notre mission qui est l'approvisionnement du royaume de manière régulière et continue et partout, sur tout le territoire, en cette matière de base qui est le sucre. Et nous ne l'avons pas fait seul, nous l'avons fait aussi grâce à la mobilisation et au soutien de notre écosystème de manière générale. J'entends par écosystème, bien sûr, les autorités locales pour les régions où nous opérons, les différentes parties prenantes, à commencer par les agriculteurs, les commerciaux, les commerçants ou les grossistes, nos fournisseurs, donc tout cet écosystème a été mobilisé pour tenir compte des contraintes imposées par les mesures sanitaires, tout en assurant la poursuite et la continuité des opérations. Alhamdoulilah, ça a permis aussi de vérifier plusieurs dispositifs que nous avions mis en place auparavant, soit des dispositifs managériaux ou d'approche, qui ont été très utiles pour cette période-là. Je vous donne un titre d'exemple, la partie amont agricole. L'amont agricole, nous avons opéré notre campagne presque de manière normale, si ce n'est les mesures sanitaires qui ont été mises en place. Et les campagnes agricoles qui commencent en général à partir de début avril et peuvent s'étaler jusqu'à juillet, août, était en plein pic de la pandémie de l'année dernière. Alors, ces campagnes-là supposent beaucoup de déplacements de matériel, les camions, le personnel qui travaille sur les champs. Donc, toutes ces contraintes-là ont été très bien gérées avec les gouverneurs, les autorités locales au niveau des cinq régions où nous opérons. Nous avons aussi eu la mobilisation des services extérieurs, du ministère de l'Agriculture, des associations des agriculteurs et bien sûr les équipes de Cozumar sur les 7 sucreries qui ont toutes fonctionné presque normalement en assurant la récolte et l'extraction du sucre à partir des plantes qui ont été cultivées en 2019. Par ailleurs, nous étions au rendez-vous par rapport au stock de sucrerité qui a été demandé par la cellule de crise pilotée au niveau central par le ministère de l'Intérieur, Commerce et l'Agriculture pour disposer d'un stock qui couvre entre 6 à 7 mois pour le marché national.
malgré le fait que la moitié de notre besoin est assuré par le raffinage du sucre brut que nous importons. Parce qu'à l'époque, au début de la pandémie, il y avait beaucoup d'inquiétudes même qui pesaient sur les possibilités de réception ou d'importation Matière première. de matières premières et des produits aussi. Le même dispositif a été mis en place pour la continuité de nos opérations. Nous avons des installations capitalistiques qui consomment beaucoup de pièces de rechange, qui consomment aussi des matières additives pour qu'on puisse fonctionner, puisque par exemple la raffinerie tourne 20, H24, 7 sur 7. Et nous avons aussi mobilisé nos fournisseurs pour qu'il n'y ait aucune rupture dans les travaux de prestation, de maintenance, d'approvisionnement des additifs qui sont utiles pour notre production, aussi bien depuis les fournisseurs locaux que les fournisseurs internationaux. Alhamdoulilah, l'année s'est passée presque normalement. Voilà. Et le marché a été alimenté de manière régulière. Il y a eu au départ de la pandémie un pic de demande qui était généré par une certaine inquiétude des consommateurs. Et même ça a été suivi et nous l'avons maîtrisé, puisque dans les premières semaines, la consommation hebdomadaire a doublé. Et il fallait alimenter de manière continue et rapide tout le circuit de distribution, et particulièrement le circuit de distribution moderne, où il n'était pas du tout question d'aggraver l'inquiétude en laissant des étalages vides pour le produit de base qui est le sucre. Alhamdoulilah, les choses se sont bien passées. Alors, parallèlement à cela, donc pas qu'il n'y a pas que la poursuite des opérations qui a été assurée, nous avons contribué en tant que société nationale à l'effort de solidarité qui a été lancé par Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Donc il y a une contribution qui a été accordée par notre conseil d'administration de 100 millions de dirhams pour le fonds Covid. Et nous avons aussi contribué à la constitution et la distribution de plusieurs dizaines de milliers de paniers pour les familles à revenus limités à travers les autorités pour les questions d'organisation sur pratiquement toutes les régions du royaume. D'accord. Donc l'année 2020 a été une année difficile pour tous les secteurs. Oui. Il y a eu les mesures de restriction qui ont impacté la consommation aussi. Il y a des secteurs qui ont été en arrêt d'activité, ils le sont toujours aujourd'hui. Et pourtant, Cosumar est parvenu à tirer un peu son épingle du jeu et à enregistrer une croissance, notamment de son chiffre d'affaires, qui est de 5,1%. Donc, est-ce que cette performance, cette prouesse, elle est due au marché international, au contexte du marché international, ou comment expliquez-vous un peu cette performance malgré une année difficile? Effectivement, c'est une année qui a été très difficile et qui a nécessité une mobilisation continue, parce que nous avions deux paramètres à gérer. Le premier paramètre, c'est d'abord protéger le capital humain à l'intérieur de Cosumar et autour de Cosumar. Donc pour nous, c'était la priorité, la sécurité, la santé de notre capital humain, les collaboratrices et les collaborateurs, et aussi toutes les personnes qui interagissent avec nous, côté fournisseurs, côté clients, côté agricole et côté aussi riverains immédiats. Alors, nous avons pris en compte tous ces éléments-là et il y avait une cellule de veille et de crise à l'intérieur de Cosumar qui était, alhamdoulilah, a été mise en place même avant le début de la crise, début mars déjà, parce qu'on voyait les choses venir. Et nous avons mis plusieurs dispositions. Par exemple, nous avons tout de suite identifié le personnel qui est vulnérable. Quand je dis vulnérable, nous avons bien sûr au sein des femmes qui sont enceintes, des personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont des faiblesses ou des vulnérabilités. Donc toutes ces personnes-là ont été mises en télétravail immédiatement. Et puis nous nous sommes structurés à l'intérieur de nos usines et nos bureaux, pour mettre ce qu'on appelle des zonings ou des couloirs où on isole des populations de 20-25 personnes
depuis leur lieu de résidence jusqu'au travail. Donc même le transport a été réadapté. Nous avons remplacé les bus par des vans pour avoir cette condition respectée. Alors, et nous avons continué sur la même lancée, en privilégiant, quand c'est possible, le télétravail et en se préoccupant en permanence de la santé et de la sécurité de notre capital humain. Alors, le modèle de Cosima, comme vous le savez, depuis maintenant quelques années, repose sur deux activités globalement par rapport au marché. Il y a le marché local pour lequel nous avons la mission de l'approvisionner de manière régulière et partout au Royaume, faire en sorte à ce que le sucre, cette matière de base, soit disponible partout dans notre pays. Et nous avons la deuxième activité qui est l'export, qui, elle, fonctionne selon un autre modèle qui est hors caisse de compensation, donc ça n'a rien à voir avec la caisse de compensation, et qui fait appel au mécanisme de l'admission temporaire. Et ce mécanisme d'admission temporaire nous donne la possibilité d'importer le sucre brut, de le raffiner, le conditionner, et puis après le distribuer. Et avec l'expérience que nous avons acquise depuis maintenant 7 ou 8 ans, nous avons commencé par 6 500 tonnes par année, la première année, et l'année dernière, nous avons atteint 650 000 tonnes d'export, donc pratiquement 10 fois la quantité qui a été faite au départ. Et le modèle, il consiste à vendre la compétitivité de la raffinerie de Casablanca. La raffinerie de Casablanca, il fait partie des top 5 au niveau mondial de sucre. Et il a des éléments de compétitivité qui capitalisent aussi sur le positionnement du port de Casablanca comme un hub. Et nous touchons une quarantaine de pays où nous avons plusieurs clients. Et nous capitalisons également sur l'expertise et la force de frappe dans le trade de notre partenaire stratégique qui est Vilmar. Nous vendons aussi à travers d'autres maisons de trade, mais une bonne partie, un peu plus que 50%, voire 60%, se fait à travers Vilmar dans des conditions de compétitivité pour Cosumar et aussi pour créer de la valeur pour nos clients. Nous avons développé une équipe qui est très réactive et qui arrive à faire face à toutes les demandes à 2 semaines, 3 semaines de préavis. Et nous exportons le sucre par conteneur de sacs de 50 kilos. Et le port de Casablanca nous donne accès, il a une bonne connectivité par rapport au marché que nous adressons, qui est l'Afrique, le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient. Alors, au cours de la pandémie, nous avons saisi l'opportunité de la demande du marché. Donc, il y avait une forte demande, ce qui fait les ventes ont été au niveau de 650 000 tonnes, et ça a compensé, voire nous a permis La de baisse. dépasser la réalisation de l'année 2019 et aller à un taux de croissance de 5,1%. Quant au marché national, il a vu une petite baisse qui s'élève à 4,7%, disons moins 5%. Mais les moins 5% plus la croissance de l'export nous a donné, in fine, une croissance globale de 5,1%. Donc, est-ce que les conditions du marché international durant l'année 2020, l'année de la crise, ont favorisé un peu l'activité de Cosumar à l'international? Il faut souligner le fait que le modèle d'export du sucre blanc à partir de la raffinerie de Casablanca repose sur l'optimisation de l'achat du sucre brut qui est régi par la bourse de New York et la vente du sucre blanc qui est régi par la bourse de Londres. Et quels que soient les changements sur le marché, quand il y a intérêt et bénéfices possibles, potentiels pour Cosumar, nous nous plaçons. Nous achetons quand il le faut et nous vendons quand il le faut. Et là aussi, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est grâce à l'expertise de nos partenaires, à leur tête Vilmar, dans le trade, mais l'expertise aussi de nos propres équipes. Ce qui fait, ce n'est pas le marché dans l'absolu qu'il faut considérer, mais c'est la relativité des Du coup. cours entre les deux bourses.
Donc, quand vous achetez au bon moment avec le bon cours et vous vendez au bon moment avec le bon cours, et si vous êtes compétitif, vous pouvez vous placer par rapport à vos compétiteurs dans le domaine du sucre. Donc le marché, donc, nous le suivons, nous faisons de la veille et nous essayons de capter autant que possible toutes les opportunités qui se présentent. Et ces opportunités ont été aussi possibles grâce à la confiance de nos clients. Donc nous sommes sollicités dans la région que j'ai mentionnée tout à l'heure, l'Afrique, le bassin méditerranéen, en permanence, parce qu'ils connaissent le sérieux et la fiabilité de de nos équipes dans la livraison, dans la qualité aussi de nos produits. Donc c'est ça ce que nous avons mis en avant et qui nous sert. D'accord. Monsieur Fikret, le conseil d'administration de Cozumar s'est tenu en mars. Est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire sur les résultats financiers de l'année 2020? D'accord. Alors l'année 2020 a vu le chiffre d'affaires, comme vous l'avez mentionné, augmenter de 5,1%. Nous avons un résultat net qui était équivalent à l'année dernière si vous comptabilisez les 100 millions de dirhams qui ont été alloués au fonds Covid, à l'instar des autres sociétés marocaines et des particuliers marocains pour l'effort de solidarité. Nous avons continué à être très vigilants par rapport à nos opérations, parce que l'un de nos enjeux, c'est de maintenir la compétitivité, voire l'améliorer. Parce que nous tablons sur le fait que la compétitivité est un levier très important de résilience. Donc on continue dans cet effort-là. Et pour nous, l'excellence est opérationnelle, mais l'excellence aussi sur les autres fonctions de l'entreprise est quelque chose qui est recherché en permanence. D'accord. Donc pour 2021, les analystes financiers augurent une bonne performance pour Cozumar, d'une part grâce aux conditions climatiques et grâce à l'année agricole 2020-2021 qui s'annonce bonne, mais aussi grâce à la raffinerie du Rhin. Avant de parler de cette raffinerie, on aimerait savoir si vous êtes aussi optimiste pour les prévisions de 2020 que les analystes financiers. Je pense que quand vous travaillez dans le sucre et dans l'industrie, vous ne pouvez qu'être optimiste. Donc optimiste, mais optimiste réaliste. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Il ne s'agit pas d'être optimiste tout court, mais être optimiste réaliste, ça veut dire qu'il faut transpirer, il faut travailler, il faut construire les éléments rationnels qui vous permettent de maintenir cet optimisme. L'optimisme, il vous pousse à l'action. Donc si c'est ça votre question, Oui. oui, je Mais suis est-ce que optimiste les réaliste. indicateurs aujourd'hui vous Alors, permettent de l'être aussi? je veux relativiser par rapport à la campagne agricole, particulièrement pour notre activité. Au moment où nous plantions la betterave et la canne, les barrages des régions où nous sommes présents étaient au plus bas, voire pour deux régions, nous n'avions même pas eu de dotation d'eau pour les cultures sucrières. Donc c'était très très dur, mais notre optimisme a fait que nous n'avons pas baissé les bras, donc nous avons cherché d'autres solutions alternatives pour ne pas faire des années blanches sur particulièrement deux régions. La région de Toukala était de là, où il n'y avait pas de dotation d'eau depuis les barrages. Parce que, j'ouvre une petite parenthèse, les plantes sucrières ne peuvent pas fonctionner sur la pluviométrie seule, à l'exception sur le Locus. Vous avez une pluviométrie qui est raisonnable, qui est autour de 500-700 mm pour notre activité. Dans les autres périmètres, vous avez besoin d'un complément par l'irrigation. Et quand vous n'avez pas l'irrigation, ça vous limite. Donc nous avions cette limitation, mais nous avons trouvé d'autres solutions en faisant appel à la petite hydraulique, en accompagnant les agriculteurs pour installer le goutte-à-goutte, installer quelques forages. Mettre aussi l'eau solaire pour optimiser les charges des agriculteurs. Et nous avons aussi accompagné avec les banques. Donc, je cite quelques banques qui nous ont accompagnés de manière forte. Il y a la Banque Populaire, Crédit Agricole, qui était à l'écoute
des dossiers des agriculteurs pour traiter leurs dossiers avec une bonne célérité. Et nous avons utilisé notre positionnement d'agrégateur sur les différentes régions. Alors tout cela a limité la baisse de la superficie qui allait être permise par les disponibilités d'eau, mais nous avons quand même une baisse de 20-25% de la superficie qu'on devrait faire normalement. Mais ce n'est pas, si vous voulez, catastrophique, parce que nous, d'année en année, nous agissons sur le côté rendement, l'intensification. Donc avec l'amélioration de la fertilisation, le choix des semences, l'amélioration aussi des pratiques culturales. Donc tous ces éléments-là vont faire que nous aurons probablement une année qui ne sera pas trop basse, ce n'est pas moins 20% par rapport à l'année dernière, mais Inch'Allah, qui sera honorable. Donc c'est ça ce qui est important pour la partie production locale. Mais cela dit, il n'y a pas que la production locale, il y a bien sûr la raffinerie. La raffinerie nous semble équipée pour compléter tous les besoins du marché national et exporter. Donc grâce aux investissements qu'avait opéré Cozumar avec la confiance de ses administrateurs, nous avons investi ces dernières années, on cumulait 10 milliards de dirhams, ce qui n'est pas rien, pour améliorer nos opérations industrielles sur les 8 sites, les 5 sucreries de betteraves, les 2 de Cannes et la raffinerie de Casablanca. Alors tout cela nous met en bonne position, en toute sérénité, Inch'Allah, nous serons comme d'habitude au rendez-vous par rapport aux besoins du marché, mais aussi par rapport aux attentes de la partie prenante, nos actionnaires, notre conseil d'administration. D'accord. Une idée juste, combien aujourd'hui la production nationale couvre les besoins du marché national? Il est autour entre 45 et 50% selon les années. Nous avons une année où il y avait une bonne année pluvieuse, nous avons touché les 57%, donc presque 60%. Mais nous sommes entre 45 et 50%, ce qui n'est pas du tout mauvais, parce que si nous nous comparons à d'autres pays, ils n'ont pas cette possibilité d'avoir ce levier de la production locale qui permet de compléter les besoins qui sont satisfaits à partir de l'import par la production locale. D'accord. Pour revenir à la raffinerie de l'Arabie Saoudite, l'un des projets de Cozumar à l'international, il était prévu qu'elle soit opérationnelle fin 2019. Exact. Donc on voudrait savoir où en est cette usine. Tout le monde se demande où est l'usine, quand est-ce qu'elle sera effectivement opérationnelle. Qu'est-ce qui a expliqué un peu ce retard? D'accord. Alors l'usine était complètement construite, comme prévu, fin 2019. La grosse contrainte que nous avions vécue, mais que nous avons dépassée, c'était la possibilité de déplacer les personnes. Parce que comme une raffinerie de cette taille-là, vous avez une mobilisation de plusieurs ingénieurs, de plusieurs techniciens, pas que marocains, mais aussi internationaux, puisque nous sommes dans un investissement qui dépasse les 200 millions de dollars, pour lequel il y a des contrats avec plusieurs fournisseurs. Et ces contraintes de déplacement nous ont un peu ralenti par rapport à la période de mise en essai. Mais nous l'avons dépassé. Donc nous avions fait plusieurs efforts avec nos partenaires saoudiens, avec aussi nos fournisseurs. Je parle au nom de Dora, donc c'est Dora qui a fait ça, mais avec l'appui de Cozumar et l'appui de Vilmar, nous avons réussi à déplacer toutes les personnes nécessaires pour allumer, si vous voulez, la raffinerie. Et aujourd'hui, nous sommes en plein essai. Donc, il nous reste peut-être 3-4 semaines pour terminer la période des essais. Mais déjà, le sucre commence à sortir raffiné. Et nous avons aussi approvisionné la raffinerie avec le sucre brut nécessaire pour les mois à venir, pour être aussi présent sur le marché national saoudien, mais aussi régional. Et là, c'est Dora qui gère le dossier. C'est vrai que c'est Cozumar
qui a la responsabilité industrielle, qui est l'actionnaire majoritaire industriel. Mais je suis optimiste. Donc on peut dire que... Deuxième semestre, nous serons, Inch'Allah, en pleine... Activité opérationnelle. Ok. En fait. Donc, qu'en est-il du deuxième projet d'investissement de Cosumar à l'international, notamment la société de conditionnement de commercialisation du sucre blanc Guinée-Conakry? C'était prévu de démarrer l'opération fin 2019. Il a été démarré comme prévu. D'accord. en janvier 2020. Et il est opérationnel, donc il suit le marché. Nous avons commencé déjà à commercialiser, à être présent. Nous avons aussi développé une marque en Guinée-Conakry qui s'appelle Soukara, qui est adaptée par rapport au marché local. Et on commence à voir le produit de... La société s'appelle Comagis. Comagis, c'est une JV entre Cosumar et un partenaire local guinéen. Donc les opérations montent et on est en pleine... D'accord, les performances sont en adéquation avec ce que vous avez prévu malgré la crise? Par rapport à notre business plan, nous sommes conformes et nous avons prévu une montée en puissance progressive, puisque quand vous introduisez une marque, vous introduisez un nouvel opérateur, il y a un effort à développer pour conquérir le marché. Je pense que l'accueil est plutôt positif et très favorable. D'accord. Pour revenir au marché national, comme vous l'avez souligné, il y a eu une baisse de la consommation, contrairement à l'export qui a progressé. Mais la question aujourd'hui est de savoir, est-ce que cette contre-performance a-t-elle impacté un peu les objectifs du contrat-programme du plan Maroc Vert, notamment d'atteindre un taux de couverture nationale autour de 56-57%? Alors, le contrat-programme qui était en vigueur de 2013-2020 est achevé. Maintenant, nous sommes en train de travailler la troisième étape qui sera 2020-2030. Et qui va prendre en compte le Generation Green, donc la nouvelle version du plan Maroc Vert, ou si vous voulez, la stratégie agricole qui est préparée par le ministère de l'Agriculture, mais qui a eu la bénédiction de Sa Majesté que Dieu l'assiste. Ça a été présenté à Sa Majesté, je pense, en mars par Monsieur le ministre de l'Agriculture, et qui est beaucoup plus orientée sur la classe moyenne, sur les jeunes, sur l'emploi. Donc notre phase ou notre contrat programme 2020-2030, qui est en discussion avec le ministère de l'Agriculture, va prendre en compte les orientations de Génération Green. Alors si je reviens au plan Maroc Vert, c'est vrai, il y avait un programme, un engagement pour aller jusqu'à 57%, mais il faut souligner que sur les 56 ou 57%, il y avait le développement des superficies déjà existantes, mais aussi l'ajout de nouvelles superficies. Les nouvelles superficies n'ont pas été mises en exploitation pour poursuivre, disons, n'ont pas été mises en place parce qu'il n'y avait pas l'achèvement de certains projets de barrages ou d'irrigation qui n'étaient pas terminés avant 2020, mais qui sont en cours de mise en place. Donc nous allons prendre en compte cet élément-là pour le contrat-programme qui est en cours d'élaboration et qui va couvrir 2020-2030. Donc on est toujours dans un taux de couverture de 45-50%, mais quand il y a des conditions favorables de pluviométrie, en amont agricole, etc., avec les superficies actuelles, nous pouvons toucher les 55-60% de taux de couverture, puisqu'il y a beaucoup de paramètres qui interviennent. Vous avez la productivité, vous avez aussi les superficies qui sont plantées, puisque nous avons la logique de la rotation. D'accord. Pour 2021, Monsieur Fikret, quels sont les projets phares de Cosumar, et notamment en matière d'investissement? Est-ce que vous avez prévu un plan d'investissement pour 2021, pardon, ou ça va être dans la continuité de ce que vous avez entamé? Nous avons plusieurs projets dans le pipe. D'accord. Ils sont plantés, quand je dis plantés au sens agricole. Donc, on est en train de les irriguer par les études, par les analyses, etc.
Donc, je préfère ne pas m'avancer là-dessus, mais sachez que nous avons un bon portefeuille de projets qui sont aussi bien au niveau national qu'au niveau régional ou africain et qui sont très prometteurs. Et ça rejoint un petit peu la logique que nous adoptons au sein de Cozumar. Nous travaillons sur deux plans. Nous travaillons sur la résilience et sur la croissance. Donc la résilience, il faut que notre modèle soit consolidé au profit de toutes les parties prenantes. Et nous travaillons la croissance en cherchant d'autres pistes de création de valeur, de création de profitabilité pour Cozumar. Et dans ce cadre-là, en permanence, nous avons une équipe très dynamique, très compétente, qui est à l'écoute de toutes les opportunités que nous examinons, aussi bien pour le marché national que pour le marché international. Donc je préfère ne pas vous annoncer quoi que ce soit, mais on le laissera peut-être pour une prochaine avec grand plaisir. Occasion, Inch'Allah. Inch'Allah. Et je pense que il y a des perspectives très intéressantes. Je vais juste vous donner quelques indications. En fait, nous sommes arrivés à un degré de maturité en tant qu'agrégateur qui a su gérer les aléas, les différentes contraintes qu'on peut imaginer dans l'amont agricole, grâce notamment, par exemple, au projet de digitalisation qui est une réussite et qui nous a servi énormément pour traverser les contraintes de la pandémie. Donc grâce au projet TICIR, à la digitalisation de l'amont agricole, ça nous a facilité énormément nos opérations de récolte, de transport et de suivi de notre approvisionnement en plantes sucrières. Donc c'était très très utile au profit aussi des agriculteurs qui ont vu plus de transparence, plus de célérité dans le traitement de leurs dossiers. Nous avons aussi capitalisé sur la fertilisation rationnelle, donc avec le concept de Smart Blender. Aujourd'hui, nous avons le tiers de nos superficies qui sont faites selon ce modèle-là, qui consiste à adapter la combinaison de la fertilisation à chaque parcelle, partir de l'analyse de la parcelle et donner au sol les éléments qui lui sont utiles, les trois éléments, le NPK, avec la bonne formulation. Ça augmente la performance et ça diminue la charge pour les agriculteurs. Ce que nous avons constaté, il y a une baisse de moins 20, moins 25% des charges de la fertilisation. Et nous continuerons sur cette lancée-là pour aller vers cette résilience. Alors, pourquoi je vous cite tout cela? En fait, nos agriculteurs sont des agriculteurs polyproduits. Ils ne sont pas que des cultivateurs de plantes sucrières. Ils font de la viande, ils font du lait, ils font des produits maraîchers, ils font aussi des fruits. Et l'une des idées, c'est pourquoi ne pas élargir le champ du suivi ou bien du service de Cozumar à d'autres cultures dans les zones où nous sommes présents. Et c'est quelque chose qui sera en ligne avec Green Generation, puisque si on adopte de bonnes pratiques, si on généralise les méthodes qui sont éprouvées et qui sont reconnues aussi dans le secteur sucrier à d'autres cultures, en commençant d'abord par le portefeuille des parcelles qui travaillent avec nous, nous pouvons apporter modestement de la valeur et au développement de l'agriculture nationale. Donc là, c'est une piste aussi qui est sérieuse et sur laquelle nous travaillons. D'accord. Une dernière question. Certes, la question n'a pas été encore posée au niveau gouvernemental, mais la décompensation de sucre viendra un jour. Donc aujourd'hui, on aimerait savoir, est-ce que les négociations entre Cozumar et le gouvernement qui devaient se tenir, est-ce que vous avez démarré ces discussions pour préparer cette phase de décompensation où on est toujours au stade où on l'était il y a 2 ans? À mon avis, le mot négociation n'est peut-être pas adapté à notre situation. Je dirais beaucoup plus un dialogue. Discussion. Un dialogue permanent. Pourquoi? Parce que le contrat programme qui a été signé devant Sa Majesté
que ce soit en 2008 ou bien après en 2013. On a eu un premier contrat programme 2008-2013, un deuxième 2013-2020, prévoit à ce que nous, en tant que professionnels, quand je dis professionnels, la partie agronomique et la partie transformation industrielle représentée par Cosuma et la partie agronomique représentée par les associations, nous avons pris comme engagement de notre côté, c'est de professionnaliser, d'améliorer la compétitivité de notre secteur. C'est ce que nous avions fait depuis le début, depuis 2008 jusqu'à maintenant. La productivité a été multipliée par 2,5, les revenus des agriculteurs ont augmenté par 10% chaque année. Et puis nous avons aussi amélioré le climat, le fonctionnement dans notre écosystème depuis plusieurs années, ce qui explique un peu l'engouement des agriculteurs pour la culture de la betterave et de la canne. Et dans ce contrat-programme, l'une des obligations de l'État, c'est de garder la concertation permanente avec nous en tant que professionnels sur l'évolution de la réglementation. Alors la décompensation ou compensation, je pense que c'est un dossier qui est entre les mains des autorités gouvernementales. Nous serons certainement sollicités quand il le faut et on nous sommes prêts. Quand je dis nous sommes prêts, nous avons fait notre devoir d'améliorer nos outils de production, aussi bien côté agronomique que côté industriel. On est là pour répondre aux missions que nous a assignées l'État par rapport à la caisse de compensation, à savoir le soutien de l'amont agricole sucrier, qui est constitué pour plus de 75% de petites parcelles, donc c'est des familles, donc 80 000 familles, par la génération de revenus qui sont réguliers, et les événements l'ont démontré, alhamdoulilah, qu'il y ait sécheresse ou inondation ou d'autres difficultés, d'autres aléas qu'on peut imaginer dans le monde agricole, nous étions réguliers dans la distribution, la redistribution de revenus vers les agriculteurs. La canne et la betterave que nous achetons, elle est payée presque deux fois le prix qui opérait en Europe pour la betterave et deux fois la canne qui est le prix opéré au Brésil. Et cela était possible parce qu'il y a la caisse de compensation. De l'autre côté de la chaîne de valeur, qui est l'aval, les consommateurs marocains disposent du sucre de très bonne qualité, de qualité même internationale, puisque nous sommes très désiré au niveau export par nos clients sur une large région, avec un prix moyen, si vous mettez toutes les gammes confondues, de 5 dirhams le kilo. Donc au départ de nos usines et au départ de nos agences. Il y a bien sûr le circuit de distribution qui le fait arriver parfois à 6, 6,5, 7 dirhams, mais même avec 7 dirhams, ne sont plus compétitifs en termes pour le consommateur que des pays qui nous entourent, donc que ce soit à l'est ou au nord ou au sud. Donc partout vous trouverez minimum 1 dollar, 1,10 € le kilo. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utile et l'État, je pense, il en est conscient, puisque tous les consommateurs, de manière directe ou indirecte, bénéficient de ce prix du sucre. De base, du sucre blanc, qui lui-même, c'est une matière première. Les biscuitiers, les fabricants de boissons, les laitiers utilisent le sucre. Et même si vous leur vendez avec un prix, entre guillemets, subventionné, le consommateur, in fine, en bénéficie. Parce que si vous augmentez le prix va être répercuté, c'est normal, c'est un intrant. Ce ne sont que des intermédiaires. C'est un peu comme nous aussi, on est des intermédiaires par rapport aux agriculteurs. On prend la plante, vous nous dites, vous la payez avec un certain prix, et vous nous dites, le produit, vous devez le vendre avec un prix. Donc on est entre les deux. Donc c'est ça le système que nous avons. Ce que j'ai compris, c'est que l'État s'oriente vers ce qu'on appelle le ciblage, en mettant en place le RSU, le registre social unifié. Je crois savoir que c'est un projet qui est en bonne voie. Je n'ai pas les données actualisées, peut-être en 2023-2024, qui lui va peut-être aller vers un autre modèle que ce que nous avons aujourd'hui. Mais nous, en tant qu'opérateurs, nous ferons notre mission pleinement,
grâce à la confiance de notre conseil d'administration, à la mobilisation du capital humain de COSUMA. Et nous avons un conseil d'administration qui est très responsable, à côté de l'actionnaire international qui est Wilmar, qui nous accompagne dans le développement à l'international. Nous avons des institutionnels. Pour la majorité d'entre eux, ils gèrent un peu l'épargne nationale qui sert pour les pensions privées et publiques. Donc nous avons toutes les caisses de retraite privées et publiques qui siègent à travers leurs représentants dans notre conseil d'administration. Ce qui fait tout ce que nous faisons nous donne la fierté de servir une cause globale et d'intérêt général. Donc d'un côté, pendant nos opérations, nous distribuons des revenus presque réguliers aux agriculteurs, betteraviers, canniers, et même les résultats de COSUMAR, le développement de son action, il bénéficiera aux retraités marocaines et marocains. Ouais. Donc c'est ça ce qui donne notre fierté et qui correspond aussi à notre logique ou approche RSE, les trois P. Je ne sais pas si j'avais eu l'occasion de vous en parler. Le premier P, c'est people. Donc tout ce que nous faisons, c'est au service de l'humain avec grand F. Donc l'humain avec les parties prenantes. Vous avez les agriculteurs, les clients, les actionnaires, les riverains, les fournisseurs, etc. Nos collaboratrices et collaborateurs. Le deuxième P, c'est planète. Donc tout ce qui est respect des normes d'environnement. Et l'empreinte de carbone a été mesurée à l'occasion de 2016. Et nous avons fait un effort spectaculaire, moins 45% sur une période de 10 ans. Et nous la gardons sous contrôle. Donc à chaque fois, nous sommes un peu arrivés à l'asymptote, mais nous faisons le maximum pour encore améliorer, même si c'est, incrémental. Mais on continue dans cette lancée-là. Nous avons économisé l'eau dans nos installations. Nous avons économisé l'énergie. Donc on est dans le P planète. Et le troisième, c'est prospérité. Nous créons de la richesse, de la valeur pour nos actionnaires. Nous sommes cotés à la bourse. Il y a 70% d'actionnaires marocains. Une partie qui est dans le noyau dur qui gère COSUMAR et l'autre qui est dans le flottant. Donc nous sommes là pour les servir. Et nous créerons toujours de la richesse pour permettre le développement, la croissance de COSUMAR, mais aussi pour faire bénéficier ceux qui nous ont fait confiance à travers l'achat des actions de COSUMAR. Monsieur Mohamed Fikret, merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Je rappelle, vous êtes président directeur général du groupe COSUMAR. Merci beaucoup et je tiens à travers cette tribune à remercier, à féliciter le capital humain de COSUMAR et de toutes nos parties prenantes. C'est grâce à eux, grâce à leur mobilisation permanente, que nous arrivons à être à la hauteur, j'espère, tout le temps, de la confiance de nos partenaires. C'est clair. Merci beaucoup. Merci à madame. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.